Je disais tout à l'heure ce que je peux dire au nom de la communauté guinéenne qui sont ici, c'est de vous remercier infiniment au fond de notre cœur. Sachez que on est très content de vous, du fait que vous pensez à notre vie et à notre santé et à notre cause en général. On sait tous aujourd'hui que cette maladie nous inquiète tous. Mais de fait, que la commune de Bruxelles, les autorités bruxelloises, à travers vous, M. Sélou Diallo, d'initier ça et de penser à nous remettre ça à titre gratuit, vraiment, merci infiniment au nom de la communauté guinéenne, au nom de la coordination Ali Poulard de Belgique. Si vous me permettez, je suis ici avec les sages, les imams, les directeurs de nos centres culturels. Si vous me permettez, je vais remettre le message à l'endroit où ça se doit. Et là, ça nous va, s'il vous plaît. Ça, c'est la Sanusi Uba, le doyen de la communauté guinéenne. Vous avez bien entendu qu'est-ce que cette loi dit. Et on vous remet le don que les autorités bruxelloises nous ont donné pour toute la communauté guinéenne. Voici Elaz Sanusi Uba. D'accord. Merci beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Mais je ne comprends pas bien parler en français. Mais on se dit que c'est très content avec les délégations qui sont venues ici, avec Sélou Diallo, avec toutes les communautés bruxelloises qui est ici. On a dit maintenant on est très content. Maintenant on va remettre ça avec les populations qui sont des bruxelloises pour montrer ce que vous nous faites pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a un grand nombre d'associations africaines guinéennes ici, ou bien associations bruxelloises ici. Et je viens de montrer le coordinateur de l'association Ali Poulard, qui représente 13 associations préfectorales guinéennes. Je viens aussi de montrer le doyen des Guinéens. Maintenant, nous avons aussi le président des MOA, M. Keita, qui va venir et je vais lui transmettre un lot. Ce n'est qu'un échantillon. Et il y aura d'autres associations qui vont venir. On va leur remettre à chaque association sa part d'échantillons au niveau de masques en tissu. Monsieur Keita, donc ça c'est. Comme je dis tantôt, nous avons Monsieur Keita, le président des MOA, c'est une grande association africaine, une fédération d'associations. Il est le président. Je veux vraiment cet échantillon. Il va se charger lui aussi à donner aux membres de son association. Voilà. Merci, mon cher Sélou. Je vais retirer les masques. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Et au nom de notre plateforme MOI, Monde Organisation Interculturelle, je profite de l'occasion ici pour te remercier pour ce geste solidaire, fraternel, utilitaire, parce que aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a cette pandémie, n'est-ce pas, qui est en train de faire des ravages. Donc, les mesures comme ça venant d'un citoyen guinéen pour les communautés africaines, les couches défavorisées, ne peut être que saluer. Nous te remercions et nous allons distribuer les masques comme cela se doit. Je vais aussi profiter pour passer un message à nos chers compatriotes. Vous savez, la maladie est quelque chose aujourd'hui que nous ne pouvons pas nier, cette pandémie. Chacun à son niveau doit passer le message. Nous savons tous aujourd'hui qu'on est menacé, notre économie, notre santé, notre solidarité, notre citoyenneté est menacée par ce mal du siècle. Donc, que chacun respecte les mesures barrières. Et aujourd'hui, nous avons notre compatriote qui met à notre disposition des éléments, n'est-ce pas, permettant de respecter cette mesure de distanciation et de protection au niveau de notre pour la garantie de notre santé. Donc, allez à chacun, serrez les coudes, donnons-nous les mains et passons le message. Le virus ne doit pas passer par moi. Je vous remercie, M. Diallo. Merci, M. Keita.
Maintenant, cette dernière partie concerne comment est-ce que vous allez vous procurer ces masques. Et vous allez trouver en bas mon numéro et mon adresse. Adressez-moi à ce numéro, appelez-moi et nous allons faire un rendez-vous. Je vais vous transmettre les masques en tant que responsable d'une association bruxelloise. Je vais vous transmettre les masques selon le nombre de votre association, le nombre des membres. Et vous allez à votre tour transmettre les masques à vos membres. Et je vous invite en tout cas de le faire parce que le but est que vous ayez ces masques et vous parvenez à respecter les barrières dictées par le CNS. Et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Je remercie aussi M. Singun Kaba de ABES TV d'être venu pour montrer à toute la communauté ici ce don que nous avons reçu de la ville de Bruxelles. Merci beaucoup.